Alors, cette imprimante, c'est l'un des meilleurs produits. Que ce soit usage personnel, si vous voulez avoir une imprimante qui... Une imprimante. Avec lequel vous pouvez aller partout. Vous pouvez l'utiliser dans un bureau comme vous pouvez voyager avec. Et aussi, pour le business, vous pouvez acheter ces imprimantes et les revendre dans votre pays. Et on va analyser tout ça. Je vais vous montrer à combien de dollars est-ce que vous pouvez l'acheter pour un usage personnel et à combien et combien d'argent est-ce qu'il vous faut pour vous lancer dans le business de l'achat et la revente de ces imprimantes-ci. Donc, on va aller sur mon écran et on fait cette analyse avec vous. Voilà, premièrement, voyons sur Amazon, vous voyez l'imprimante en question, c'est presque le même imprimante. Voilà, l'imprimante en question se vend à 265 euros, plus de 265 euros, disons même 265 dollars parce que lorsque je vais vous montrer le même produit sur AliExpress, ça se vend à trois fois moins cher que ça, presque trois fois moins cher que ça. On va venir sur AliExpress. Vous voyez l'imprimante en question avec le branding parce que l'entreprise qui produit ces imprimantes, c'est Peripage. Avec le branding de Peripage parce que sur Amazon, c'est un produit similaire, je vais dire, parce que ce n'est pas vraiment le produit authentique. On vient sur AliExpress. L'imprimante se vend à 102 $. Donc, si vous voulez acheter ces produits pour un usage personnel, c'est à 102 $. Lien dans la description. Donc, n'allez pas acheter le produit sur Amazon à plus de 260 €. Donc, le produit se vend à 102 $. Et il y a plusieurs couleurs. Si vous êtes une femme, par exemple, pour les femmes, par exemple, vont préférer cette couleur rose de l'imprimante en question. Par exemple, c'est vert également. Il y a plusieurs couleurs. Mais perso, moi, je choisirais cette imprimante, cette couleur-ci. C'est beaucoup plus... c'est ce que je préfère en fait. Donc du coup, si vous voulez acheter ces produits, lien dans la description. On va analyser maintenant à combien d'argent est-ce qu'il vous faut pour vous lancer dans l'achat et la revente de ces produits. Et là, on va aller sur Alibaba. Avant de passer sur Alibaba, je vais vous mentionner que tous les liens, tous les produits que je mentionne dans mes vidéos, vous pouvez les trouver sur shop.belix.com. C'est une plateforme où je mets en avant tous les produits que je vous montre dans mes vidéos. Comme ça, vous n'aurez pas à revenir sur YouTube et voir dans la description pour cliquez uniquement sur les liens. Donc sur shop.belix, ce qu'on fait, c'est que je vais vous montrer directement. Alors sur shop.belix, vous trouvez tous les produits que j'ai mentionnés dans mes précédentes vidéos. Voilà, les produits essentiels que j'ai mentionnés dans mes précédentes vidéos. On peut prendre par exemple ces produits. Je vous montre la spécificité, c'est que sur shop.belix, on vous met en contact direct avec le meilleur fournisseur ou les meilleurs prix possibles pour les produits sur Alibaba et sur AliExpress. Premièrement, le meilleur prix possible sur AliExpress pour un achat personnel. Par exemple, là, ces ventilateurs de cou. Voilà. Lorsque vous cliquez sur acheter au meilleur prix, ça va vous rediriger vers le meilleur prix possible sur AliExpress et le meilleur vendeur possible sur AliExpress. Et si vous voulez faire le business, vous voulez acheter et revendre ces produits, vous voulez acheter plusieurs pièces, ici en bas, dans la description, dans cette description, il n'y en a pas encore. On est encore en train de travailler sur cette plateforme. Donc, je vais voir un autre produit. Je vous montre à partir d'un autre produit. Par exemple, ces produits-ci par exemple, je pense qu'il y en a. En bas ici, vous allez voir que pour le business, vous pouvez acheter ce produit sur Alibaba. Donc, lorsque vous cliquez sur acheter ces produits sur Alibaba, ça va vous rediriger vers le produit chez les fournisseurs idéal sur Alibaba. Mais si aussi vous voulez juste contacter les fournisseurs de ces produits ou voir d'autres alternatives chez le fournisseur, ça va ici, en cliquant sur ici, vous allez aller vers le fournisseur idéal sur Alibaba. Et aussi, il y aura un lien vers la vidéo d'analyse des produits. Donc, vous pouvez cliquer ici sur analyse d'opportunité. Vous allez tomber sur la vidéo de moi ou d'une autre personne en train d'analyser le produit, en train d'analyser l'opportunité derrière les produits. Comme ça, vous savez combien est-ce que vous avez besoin pour vous lancer dans le business. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un feedback, ce que vous pensez de cette plateforme shop.belix.com, ce que vous pensez qu'on doit améliorer, voilà.
Honnêtement, allez sur shop.belix.com, essayez d'utiliser l'application et dites-moi ce que nous pouvons améliorer. Parce que l'objectif de cette plateforme, c'est vous faciliter d'être en contact avec le meilleur fournisseur sur Alibaba. Achetez au meilleur prix chez le meilleur fournisseur possible sur AliExpress si vous voulez acheter pour un usage personnel et sur Alibaba si vous voulez acheter pour faire le business. Alors, allons sur Alibaba. J'ai fait la recherche de ces produits. Vous allez voir qu'il y a plusieurs fournisseurs qui offrent des produits similaires. Et lorsque vous faites des recherches sur Alibaba, vous voyez que je suis en train de chercher l'imprimante, mais je tombe sur des sacs parce que ces sacs paraît comme cette imprimante. Donc c'est un peu ça le hic avec Alibaba et c'est ce que nous offrons comme solution sur shop.belix.com. Au lieu de passer du temps en train de chercher quel est le meilleur produit, quel est le meilleur fournisseur pour ces produits, quel est le meilleur prix, nous faisons cette recherche pour vous et nous vous redirigeons vers le meilleur produit chez le meilleur fournisseur ou vendeur possible. Et là, on est au niveau du meilleur. Et là, on est au niveau du meilleur vendeur, selon moi, sur Alibaba. Voilà, sur Alibaba. Et on voit que ces produits se vendent entre 79 et 120 dollars. 79 et 120 dollars par caisse. Donc, du coup, on va prendre un millier, par exemple, si ces produits après négociation, parce que vous pouvez négocier les prix avec le fournisseur. Après les négociations, vous optez pour l'acheter ou vous arrivez à l'acheter à 90 ou à 100 dollars, disons même 100 dollars, parce qu'on sait que ces produits se vendent sur Amazon à presque 300 dollars, parce que 200, on a vu que c'était 265, c'est presque 300 dollars ou un peu plus de 265 dollars en fait. Pour cet exemple, on va y aller avec 100 dollars. Si ces produits après négociation, ça nous coûte 100 dollars et que on va remplir un CBM, on va prendre ces détails ici pour savoir combien ça va contenir dans un CBM. Et j'ai trouvé que 330 pièces, ça allait dans un CBM convenablement. Parce que si j'ai même 335 pièces ici, vous voyez que c'est un peu plus d'un CBM. Donc 330 pièces, ça va. Avec 330 pièces au niveau d'Alibaba, un CBM, les frais d'expédition plus dédouanement, probablement le plus cher possible que vous allez payer, c'est 600 dollars. Donc du coup, 3300 fois 100, ça nous fait 33 000 dollars investis pour avoir les 330 pièces, qui est un CBM de ces produits. Et maintenant, 33 300 plus 600 dollars des frais d'expédition, ça fait 33 600 dollars. Or, si on vend ces produits, les 330 pièces, à 200 dollars, même à 150, on aura des bénéfices. Mais à 200 dollars, on aura presque le double du bénéfice. À 200 dollars, vous voyez que notre chiffre d'affaires sera de 6600 dollars. Or, on a investi 3360, 33 600 en fait, et notre bénéfice sera de 32 400 dollars avec ces imprimantes. Mais disons qu'on peut les vendre même à 150 dollars parce que l'objectif, ça serait d'écouler les imprimantes très rapidement. Donc 330 fois 150, ça nous fait 4950 moins 33 600, ce qui nous fait 15 900 dollars de bénéfices nets pour la revente de ces imprimantes. Voilà l'opportunité qu'il y a derrière ces produits. J'ai fait plusieurs autres vidéos d'analyse des produits comme ça. Je vais les mettre juste ici. Si vous voulez voir d'autres produits intéressants, allez voir cette série de vidéos. Et on se voit de l'autre côté. N'hésitez pas à me laisser un feedback sur shop.belix.com. On se voit plus tard. Peace.